Hello, hello, mes mimi. Bienvenue sur ma chaîne. Welcome back to my channel. Aujourd'hui, nous allons faire frire du riz d'une autre façon, avec des œufs, de la sardine et aux crevettes fraîches. Un grand merci à mes abonnés qui reviennent voir mes vidéos lorsque je les poste. Et également, un grand merci aux nouveaux qui vont s'arrêter pour s'abonner et aussi cliquez sur la cloche de notification. Really want to say thank you to you all. Pour revenir à notre recette, ce riz est un vrai délice. Vous allez adorer la famille. Ok, sans plus tarder, on va commencer. Let's get started. Yes, I'm so excited. Donc, pour cette recette, on aura besoin de 4 tasses de riz bouillies préalablement avec du sel et du beurre. On aura aussi besoin de 1 oignon, demi poivron rouge, du persil, demi poivron orange, des ciboules, 4 ail, demi poivron vert, une feuille de laurier, le rosmarin, les petits pois, une tasse de petits pois, des crevettes, des œufs. Également de la sardine que j'ai oublié de présenter. Ok, il y a la petite fille ici qui veut faire sortir sa voix dans ma vidéo. Vas-y maman, c'est rare, abonnez. Ok, c'était juste pour rigoler. Donc, on va continuer. On va commencer par casser nos œufs. Là, j'ai utilisé 8 œufs. Voilà, à présent, dans nos œufs, on va ajouter une boîte de sardines. Donc, on va ajouter uniquement de la sardine et réserver son huile. Et là, je vais ajouter mon bouillon de cube. Voilà, maintenant, nous allons battre les œufs. Maintenant, passons à la cuisson. On va commencer par faire frire les œufs. Donc, je vais ajouter un peu d'huile dans ma poêle. Ensuite, je vais ajouter les œufs battus ou fouettés. Je vais laisser durcir les œufs. Ensuite, je vais commencer par les séparer car j'ai besoin des œufs en brouillé. Voilà, là, on va essayer de retourner pour faire durcir l'autre côté. Voilà, mes œufs sont prêts. On va passer à la dernière étape. Donc, dans une marmite, on va mettre le beurre. Vous pouvez mettre de l'huile, n'importe quelle huile végétale, d'olive, ce que vous désirez, ou même l'huile de coco. Okay. On va laisser fondre et ensuite, on va ajouter nos crevettes. Donc, on va faire frire les crevettes. Maintenant, on va ajouter les oignons. Ensuite, de l'ail. Là, on va remuer. Maintenant, je vais mettre les rosemary et mes feuilles de laurier. Les rosemary, si quelqu'un connaît le nom en français, s'il vous plaît, écrivez en commentaire. Je ne connais pas son nom en français, mais en anglais, ce sont les rosemary. Et maintenant, je vais ajouter les poivrons, poivrons verts, rouges et oranges. Voilà, on va faire le mélange. Une
fois mélangé, je vais ajouter l'huile de la sardine. À présent, j'ajoute les petits pois. On va faire le mélange et laisser cuire pendant 3 à 5 minutes. Voilà, maintenant on va ajouter le thym. On va ensuite remuer et laisser cuire 3 minutes. À présent, on va ajouter les ciboules et les persils. Ensuite, on va ajouter du cube. Si vous voulez, si vous ne voulez pas du cube, vous pouvez ajouter du sel. Maintenant que tout est mélangé, on va ajouter les œufs frits. On va faire le mélange. Après avoir fait le mélange, on va ajouter notre riz. Voilà, on va ajouter le riz tour à tour. On va mélanger et ajouter au fur et à mesure. On va laisser cuire le riz pour 3 minutes. Et voilà, notre riz est prêt. Ça a une très bonne odeur. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous pour les prochaines recettes. Si vous aimez la vidéo, likez et partagez. À bientôt pour de nouvelles recettes. Bon appétit!